Tu vois, quand j'étais gamin, j'avais un rêve. Voir les bolides du Dakar en plein désert. Aujourd'hui, cet événement est surmédiatisé et n'est plus du tout dans mon éthique. Mais mon rêve, lui, reste toujours ancré dans ma tête. Et les rêves sont faits pour être réalisés. Salut et bienvenue dans le Dakar. Bon, après une petite journée de route, faire un petit bivouac un peu espacé du bivouac du Dakar. Donc on s'est dit, ben on va aller un peu se retirer dans un endroit dans les dunes. Et on est dans les dunes, on est bien dans les dunes. Comme tu peux voir, Bourrin, il est un petit peu dans le sable. En plus de ça, je suis pas tout seul, parce que c'est bien d'avoir un pote comme toi qui est aussi con que toi. Sauf avec un poids lourd, tu vois. Là-bas, il y a JB qui s'est planté aussi. Et du coup, bah, on pèle. Regarde, faut que je te montre. Je sais pas si tu vois bien avec en plus mon objectif, il est dégueulasse. Je pense que tu vois que le petit campement là, il est assez cool. Et c'est trop bien de se retrouver de nouveau dans le désert. Je pense qu'il y a, allez, à tout péter, 4 à 5 km sur le point du bivouac du Dakar. On s'est mis là pour bah, justement attendre, parce qu'on sera bien plus tranquille ici. Il y a des gars qui sont arrivés. C'était, je pense, d'abord des civils qui ont appelé ensuite les douaniers, parce que si tu vas contre là-bas, tu arrives aux Émirats. Et après, il est venu aussi, je pense, de la police. Super cool, ils nous ont dit oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez dormir là. Donc ça, c'est déjà une bonne chose quand ça se passe comme ça. Au moins, tu sais que tu ne seras pas embêté, ils ont pris nos passeports. Donc c'est tranquille, tu vois. Et ça me fait tellement du bien de retrouver ce désert. Même si je vois pas les bagnoles du Dakar et que je vois pas le Dakar, rien que d'être là, c'est vraiment trop cool. Et de partager avec JB et Margot, ça va être trop sympa. Ce calme, c'est trop bien. Oublie pas d'aller t'abonner, Jean-Baptiste Promain à la chaîne, JB Promain. Ça va JB ? Ouais, et toi ? Bon les copains, avant que je vous emmène en plein dans le Dakar, je tenais à donner quelques informations. De 1, personnellement, moi, je n'ai jamais fait de sport automobile. Je ne suis pas un fan de rallye. Pour moi, le rallye du Paris-Dakar, c'est une vieille télévision chez mes parents avec 4 chaînes, dont une qui diffusait ce fameux rallye connu mondialement à la télévision chaque année après Nouvel An. Et je me vois encore tout gamin à voir ces bagnoles, ces camions, ces quads, ces motos tracées au milieu du désert. Des types certaines fois complètement paumés et pour moi c'était pas un rêve de participer au Dakar, mais d'une fois pouvoir voir cette course. Et je t'avoue que quand j'étais devant la télévision chez mes parents, je pensais jamais me retrouver là au milieu un jour, tu vois. Après, ce qu'il faut aussi savoir niveau historique, le Dakar, il a été créé en 1978 par Thierry Sabine, un mordu de rallye raid bien engagé. Et à la base, c'était pas vraiment médiatique. C'était vraiment pour amener des passionnés de rallye en plein milieu du désert et vivre une aventure unique, une aventure difficile. Au début, les gars, ils étaient seuls. Il n'y avait pas toute cette infrastructure et ces gros bivouacs. Les mecs, ils se démerdaient avec de simples sacs de couchage et ils faisaient eux-mêmes la mécanique, tu vois. Donc ça, c'était vraiment de la pure aventure. Juste pour te donner un exemple, aujourd'hui, le Dakar, donc cette année, il y avait plus de 430 véhicules, plus de 700 pilotes et copilotes. Et surtout, l'événement, il est rediffusé sur plus de 190 chaînes TV. Donc, tu vois un peu l'effet médiatique qu'il y a là-dessus. Et je te parle pas de l'argent que ça brasse. On s'est un peu renseigné. Si tu veux participer en tant que simple personne du public et si tu veux aller dans le bivouac, comme j'ai pu comprendre, c'est entre 300 à 400 euros pour entrer juste dans le bivouac. Donc, c'est super cher. Et c'est quasi inaccessible pour des personnes qui n'ont pas l'argent mais qui sont passionnées de ce sport mécanique. Et j'espère que justement dans ma vidéo, ça pourra offrir un peu du rêve à tous ces personnes qui adorent la mécanique, qui adorent le rallye et qui adorent le 4x4. Même que le rallye d'aujourd'hui, il est énormément médiatisé. On voit aussi et souvent des têtes d'affiches, des champions du monde. Mais il y a encore énormément de passionnés qui font le rallye du Dakar et ça fait plaisir.
Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Là, on est arrivé à justement le... Je ne vais pas appeler ça une ville, mais Choubaïta. C'est là où il y aura le bivouac du Dakar. Alors on vient, il y a quoi, il y a une demi-heure, on a rencontré des organisateurs qui sont là, eux, avant, pour avertir les Bédouins que le rallye va passer. C'est bon, on a trouvé le bivouac. Alors c'est marrant parce que je suis passé ici il y a un mois et demi en arrière. Il n'y avait rien, il n'y avait vraiment rien. Et là, il y a des grosses tentes, des grosses tonnelles. Et c'est clairement le bivouac. Et bien, partir depuis le bivouac et essayer de trouver un petit peu là où il passe, parce que c'est hyper compliqué. C'est une spéciale dans les dunes. Et du coup, il n'y a pas vraiment de point pour se repérer, tu vois. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire avec JB. Ouais, du coup ça commence de s'activer dans le camp. Alors on a pu avoir un peu plus d'informations parce que sur le site internet ils mettent le parcours un peu plus détaillé. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que en fait le parcours du Dakar, il est tracé mais il est vaguement donné, même les concurrents ne l'ont pas. Et ça, je pense, c'est peut-être pour aussi de 1 une question de sécurité et de 2 peut-être pour des triches ou je ne sais quoi. Et apparemment ils doivent passer juste là-bas derrière, donc derrière les dunes où c'est qu'on est. Il y a une grosse route qui part dans le désert. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, avec nos véhicules dans le désert là et les dunes, c'est quasi impossible d'aller parce que c'est des véhicules d'habitation et c'est compliqué de pouvoir passer les dunes avec. Et pense bien que si eux, les types, ils bourrinent comme des porcs et ils ont des véhicules spécialisés pour ça et qu'ils arrivent encore à se planter, nous, avec nos véhicules, c'est juste impossible. Donc, essayez de les voir dans les dunes, allez au bivouac, les voir au bivouac si on arrive à entrer. Parce que c'était pas gagné hier. Donc c'est aussi un peu un challenge pour nous de trouver ces points GPS. Parce que c'est tellement vaste, c'est tellement grand que tu trouves pas, tu vois. J'ai pris une... Salut. En fait, on est en train de raconter la merde, c'est juste ça. C'est juste pour faire un peu des minutes à la vidéo. Tu veux, tu veux que je te laisse ici? Parce que j'ai pas d'hélicoptère. Non, je veux pas te laisser débrouiller. Oh non, la flemme, ça marche? Bon, alors là, on est arrivé, je pense, on a trouvé l'endroit. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de caravane, je dis de dromadaire, de chameau. Non, de dromadaire. Et tout d'un coup, il y en a plein juste là où ils font la. Où il y a la presse, quoi. Donc on pense qu'ils ont exprès amené les dromadaires pour les photos, tu vois. Waouh. Salut. Elle a la même lèvre que JB. Elle ne les fait pas peur. Non, celui-là fixe. Ah ok. They're like us. En espagnol. Ok, alors en fait, il y a les premiers motards qui arrivent. Donc c'est les motos qui arrivent en premier. Et pratique d'avoir des jumelles. De toute façon, il y a un hélicoptère, donc on arrive à les repérer grâce à l'hélicoptère et ensuite on les voit arriver. Ouais, là ils passent dans le. On voit la poussière. Ah, ils vont débarquer comme des gros salauds là. Ah, les cochons. Alors les voitures, c'est nettement plus impressionnant que les motos. Donc j'ose même pas imaginer les camions, tu vois.
Allez, les gars, ils ont déjanté. Hop, posé, remis la roue. Allez, à tout péter, 2 minutes 30. Hop, remettre la roue derrière. Ça démarre là, là il y en a un qui s'est planté. Là ça devient le soir, ça commence de devenir intéressant, tu vois. Allô? Là je suis avec, il y a des pilotes et ils ont leur camion là-bas. Et eux, ça c'est des vrais pilotes parce qu'ils prennent le temps de manger un petit morceau. Exactement. Ben oui, il faut hein. C'est important là. Ben c'est important la bouffe. Pourquoi discuter avec des gens qui sont là pour... Ça, c'est le plus beau truc du Dakar. C'est des pilotes, c'est les pilotes du camion là-bas. Et si, ils ont le camion que je t'ai dit là-bas. Et là, ils mangent une petite boîte de thon. Ils mangent une petite boîte de thon. Non, vous faites quoi, assistance? Non. Non, on fait la course. Non, tu rigoles. C'est mythique. Je te présente le gagnant du Dakar parce que lui, il a pris le temps de s'arrêter pour regarder le coucher de soleil. Pour parler avec nous. Et pour parler avec nous. Et il a refait notre journée parce que comment c'est de se dire avec Mia, mais on s'emmerde en fait. C'est des voitures qui passent. Et là, un gars, il me dit salut, parle français, et il mangeait sa petite boîte de thon. Puis il me dit, moi, je suis pilote du camion. Énorme. Le gars où il y a le camion qui est passé, c'est le pilote du camion qui est là-bas. Et en fait, il se prend en photo, puis il se fait engueuler par les photographes parce qu'il se prend en photo avec des autres camions. Et ben rien que là, ils m'ont fait mon Dakar. Ça, c'est leur camion. Ma vie, j'ai pas de batterie. T'as vu ça? Ça me fascine. Non, mais attends. Là, combien de chevaux l'engin? Non, mais 850. 850. 850 chevaux. Non mais je suis dans le camion du Dakar, les gars. On est dans le camion du Dakar. Mais... C'est trop bien. Non, ça c'est, vrai, tu vois, ça c'est la plus belle expérience qu'on avait pu faire au Dakar. Ça. Les gars, ils sont incroyables. Non, c'est incroyable, bordel. Ils sont incroyables, les types. Et c'est cool de pouvoir voir ça. Ok, alors tu vas peut-être pas me voir comme il faut, mais on s'en fout parce que le but c'est vraiment de que tu entendes bien. Eh ben tu vois, alors petit récapitulatif de ces 2-3 jours pour le Dakar, donc il y a encore des jours d'après, mais là vraiment on a passé une journée, on a vu les véhicules, et les gars, chauffeurs poids lourds, et ils m'ont refait la soirée quoi, franchement, ça fait du bien de voir des gens comme ça, qui, c'est clair quand il m'a sorti le type, ah non mais moi pendant le Dakar, coucher de soleil je m'arrête, un petit coup, on mange un bout et on regarde le coucher de soleil, parce que le Dakar c'est ça. Et dans leur groupe, il y a une personne qui est musulmane, parce qu'il vient d'ici. Et lui, il était posé à côté du camion, il faisait la prière. Franchement, cette image du Dakar, là, ce moment passé là, avec ces trois personnes qui faisaient partie de la course, bah, ça m'a donné un bon coup de punch, et on va dire d'humanité, de « Ok, ils font le Dakar, mais tu vois, ils font le Dakar, mais avant tout, c'est profiter. » Bon, là, je vais ranger bourrin parce que il y a encore des types qui arrivent et je suis en plein dans le passage et là, il commence de faire nuit. Donc, j'ai pas envie qu'on me fracasse bourrin non plus. Déjà qu'avant, on a vu des gars qui s'étaient trompés. Sur ce. Il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Moi, je fais partie de ceux qui font. Comment mettre? Moi, je fais partie de ceux qui mangent. Toi, c'est vrai. Ouais. Puis après, il y a ceux qui mangent. Tout d'un coup. Tu nous fais à dîner quoi. Ça c'est le gars. On peut faire ici, tranquille. Oui, c'est ouvert. Ben oui, mais je suis bien là. Mais j'ai pas beaucoup, j'ai que ça comme courgettes les gars. Oh, elles sont toutes bonnes en plus. On dirait un cornichon. Il me faut une grosse casserole par contre. Demain, je vous fais une tortilla. Vous faites à mon Dieu aujourd'hui, demain, je vous fais une tortilla. Je coupe, j'en peux plus. Je la connais qu'elle me dit ça. Ok, c'est parti dans le bivouac. Ça bosse, ça travaille. Enfin, j'ai hâte de voir l'ambiance surtout, tu vois. C'est pas la même chose, mais quand j'ai changé le moteur à bourrin, tous les gars, c'était des motivés de véhicules, 4x4 et tout. Et là, je leur fais un gros big up parce que je pense que ici, de 1, c'est grâce à eux que je suis ici parce que c'est eux qui m'ont changé le moteur à bourrin en Suisse. Et de 2, bah, je pense qu'ils seraient hyper contents d'être ici. Donc ces images, c'est aussi pour eux. Allez, tchuss la team d'AU. Au total, vous aurez 1100 km. 480 km sur la première. On l'a retrouvé, le pote qu'on a trouvé sur la piste, et il nous amène là, il nous dit on va vous montrer notre team et la team. Ils font de la pétanque. Ah, c'est comme ça qu'ils travaillent, mais c'est nickel. Alexandre de la team Réveillon. Ouais,
et qui vient de Suisse. De Suisse. Et il a monté ça, c'est un peu une team famille, c'est tous des amis. Et du coup, il nous monte les voitures, camions, voitures, moto aussi là ou pas? Non, on a seulement un camion d'assistance qui nous suit un peu, je brouillais d'ailleurs. Ouais, ah, là, ça me refait quoi. En fait, c'est ça que je voulais voir un peu au Dakar, c'est ces échanges-là. J'ai jamais vu les voitures comme s'approcher. C'est quoi comme voiture? C'est une Toyota Hilux, ouais. À la base. Ouais. À la base. Salut. Ça va? Tu me connais? Emilia, non. Il y a quelqu'un qui nous connaît là. Voilà. Comment tu t'appelles? Adrien. Enchanté. Enchanté, mon pote. Toi, tu t'habites où? T'es... En France? Dans le nord de la France. Ouais. Ok. Et je pense que tu nous suis sur les réseaux. Exactement. Voilà, donc voilà. Il nous suit sur les réseaux. Voilà. Au Dakar, quoi. C'est incroyable. Excellent. Oh ouais, bah. Merci beaucoup. Un petit kit souvenir. Oh, trop bien. Voilà. Bon, bah, on a reçu notre petit kit souvenir réveillon. C'est une anecdote, voilà. La couleur de la voiture. En fait, ouais. C'est une photo non, de l'œil de ma femme. On fait partie de la mais ville, quoi. Je peux te poser une question? Ouais. Sur le volant, ouais, est-ce que c'est un œil de ma femme, ouais. Et là, bah, justement, t'as l'œil. Ah ouais. Ça a l'air bien avec moi, quoi. On est bah, justement les classiques. Et c'est ça que j'aime bien parce que, en fait, comme là, c'est des Lada. Le gars, bah, il explique qu'il garde le maximum d'origine. Bah, regarde le moteur, quoi. Alors, certes, il change certaines choses, mais ça reste dans cet esprit de vieille voiture. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Alors, il y avait vraiment une chose que j'avais envie de voir. Enfin, un véhicule qui me tenait à cœur de voir à ce Dakar. Je ne l'ai pas vu en course parce que c'est un classique et du coup, bah, ils ont un parcours différent et ça, je l'ai su juste maintenant. Par contre, cette voiture, elle est juste devant moi. Elle est mythique. La 4L du Dakar. Moi, ce qui me fascine, c'est le pot d'échappement sur le toit. Ça me fait rêver. Peut-être qu'un jour, je mettrai un pot d'échappement sur le toit à Bourin. Là, cette vidéo arrive gentiment à sa fin. Comme tu peux voir, j'ai quitté le Dakar. Je suis parti dans le désert. Ça fait du bien ce calme. Écoute ça. Après tous ces bruits de moteur, ça fait vraiment du bien. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente. Ça fait toujours plaisir. Je tiens encore à remercier l'équipe de Rébellion. Et pour toi, ma puce, comme tu peux voir, c'était un rêve bien lointain de papa. Mais il faut toujours les garder dans la tête, les rêves, car il n'y a que toi qui peux les réaliser un jour. Et j'espère que toi aussi, ma puce, tu pourras réaliser tous tes rêves dans la vie. Allez, à une prochaine vidéo. Tchuss.